On a Exodia le maudit, normalement on peut pas perdre la game. J'ai littéralement Exodia, c'est tout droit genre. Je sais pas qu'on se fasse snowball en bot lane, mais c'est littéralement tout droit. Oh c'est une game chal, nice. Oh bah y'a, oh nice. On va lui pisser dessus, oh merci. Attends c'est Vinder ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette merde là? Pourquoi je joue contre KCB? Le problème c'est qu'avec H pour les tuer on va galérer. Hein. J'ai le droit de faire ça, hein, mec. Hein. Joue, hein. Voilà, j'adore. Allez, sucez. Sucez bien, hein. Non, ça m'a cancel. Attends. Je pensais pas que le coup de tourelle avait pas été reset, mais c'est pas très grave. Au moins, ça va pas mettre dive derrière. Ça c'est un très bon trade pour la mid lane, c'est bien, faut pas qu'on se fasse dive au bot. Je pensais qu'elle allait plus trade la scène 1, ce qui était un peu le plan quand un cache se sépare comme ça. On peut les faire sucer en 2v2 je pense, hein, toujours. En fait faut des trades longs, faut pas des trades courts. Se faire des kites super glisse bientôt. 3-0 Belvet. Aïe aïe. Quand tu la cites ça, on peut le taper. C'est bien ce que fait la hache, mais bon, il nous fait un peu au conk. Tiens, sus. Non, elle s'est fait bomb sans déconner. C'est eux qui achètent le dernier, faut le prendre. J'aurais dû les ping mais c'est pour Kata. Voilà. Dehors Caliste, dégage de ma vue, espèce de bouffe. A essayer de space, ma maman, je suis sénage, mais nota tank, je recule, ta gueule. Va rendre mon pote potent, va falloir force bouger le cul là par contre. On sait bien, il joue bien le Wukong, c'est cool. Oh. Plaisir une game où ça joue un peu les coffres les chocs. Non. T'as un flash, c'est bon, tranquille. Elle a un flash, je peux flasher. Un peu tard. Oh oh. Oupsie d'oupsie. Ça va forcer le sudoum avec deux Wukong, c'est my bad. Sans ulti là, t'es sur le toit là. 0-4 au top. Mon pote Potent. Y'a moyen de pas troller la game. Ou tu veux me retirer mon bonheur aujourd'hui, Potent? On est quand même très très bien. On a Wukong, Kata qui sont globalement faites. C'est un peu dommage que l'H est flash trop tard et tout. Enfin, sur le gank pot lane, je pense qu'on prend pas beaucoup par rapport à ce qu'on devait prendre. Ah, il est mort. Y'a un flash. Ah, trop tard. Oh, il prend pas de reset, putain. De grid, je suis là, mais. Allez, mon gars, allez, mon gars, allez, mon gars, on est les goats. Prends-moi, il, prends-moi, il, prends-moi, il, non. Oh, t'es tellement mon roi. Oh, tu lui as pissé dessus. Oh, mon frère.
mais ça se voit, t'es quelqu'un. Oh, ce qu'il vient de leur faire, la méchanceté, Caliste. Dors, Caliste, dors, donne tes LP maintenant, donne. Non, c'est trop. Il en fait trop. Il en fait vraiment beaucoup trop, là. Pas ouf. Avec un peu de chance, il commence à la dive. Non. Est-ce que je peux permettre sur fléchis ou pas en fait? Je me demande si j'ai des dégâts. Bah alors les gars. Pas mal. C'est pas grave si je chauffe. Il m'a cancel. Putain. Le cancel avec son E était incroyable. Je ne sais qui, mais pour moi c'est peut-être un coréen. Ça me dit un truc que je vois dans le coréen. Mais je suis pas sûr. Ok, je joue vraiment comme un coeur. Très bien joué ça. Jungle Giant Academy. Ah bah voilà. Ah, je suis con. En fait. J'ai un peu peur pour R, je perds multi pour rien. Je pensais qu'il fightait, mais il a reculé. Il est mort probablement aussi. On fait de la merde sur la carte. Il est safe. Ma pote H, c'est bien ce que tu fais. Il faut de l'aide fast. Ok, bien joué. On sent que je peux aller défendre le dive au bot qui va arriver. Fais gaffe, il y a une... Pas les dégâts. J'ai essayé de le faire tempo. Je ne pouvais pas. Le top gap va probablement peut-être nous la coûter. En tout cas, c'est ça qui fait que la game se temporise. Parce que sur le reste de la carte, normalement, on les arrache. Mais comme il y a big top gap. Qu'à santé. Peut-être qu'on peut fight si la grosse on est dessus bientôt. J'ai pas le mien, c'est dommage. Vas-y, c'est zip. Allez, manque un pet. On a plus d'ulti sur Wukong. Pareil complexe, effectivement. Ouais, par le bas peut-être. Je sais pas, on a pas eu le sur Wukong. Vous voulez vraiment fight sur le petit Wukong? Très bien. Il a flashé. Tu flashes tes trucs? On met devant, nice. On va voir si on sent d'aller hyper deep. Est-ce qu'on peut nash?
Il y a quelques erreurs en mid-game. Tout de même. Je devrais pas faire d'habitude. Il est vraiment très bien maintenant. Il faudrait qu'on arrive à jouer top et mid. Réception. Terminé. Dehors. Casser bé mes couilles à la retraite. Ils peuvent pas défendre normalement à moins qu'il fasse une dinguerie avec son champ. Ils peuvent défendre, semblerait. Non, on peut pas. Ah. Il me faut 5 secondes. Tu m'enfuis, putain. Je pense qu'il gagne. Mon turn était bien quand même. Et on récupère les ultimates. Allez. Je ne gagne pas contre des masters, mais contre 3 joueurs cassés blues, c'est plus facile. Non, mais le Wukong était grotesque. Le Wukong était grotesque, on a bien joué avec lui. Quelques heures en mid-game, mais sinon solide. On les a 2v2 bots en plus. 0-6 pour casser Nexta Decking. Respect Wukong, il est grotesque. Non, mais quand même, j'arrive pas à gagner contre des masters et tout. Je joue contre, genre, le top du ladder, littéralement. Genre, je sais même pas pourquoi j'étais dans la game. Je suis avec le top 3 et le top 5, ça n'a aucun sens. Je veux une queue fléchie doit être grave haut aussi. Je suis dans la game et il n'y a pas de problème. Par contre, en master, c'est impossible. En plus, on gap un peu, enfin, on éloigne un petit peu Kalis du rank 1. Et ça, c'est pour me faire plaisir.